j'appartiens à un autre temps, je suis dédoublé, comme les particules, et que je suis en train de fabriquer le futur de mon double, non pas dans le but de fabriquer un futur, mais dans le but d'aller me coucher pour permettre à mon double, pendant le sommeil paradoxal, d'aller arranger mon futur. C'est ça qu'il faut faire savoir. La science, c'est nous. La science, c'est nous, c'est tout. On ne la sert pas, la science. Nous sommes la science. Alors, il faut la faire marcher. Je pense quelque chose, immédiatement, la conséquence de ma pensée va être faite dans le futur. Je peux la mémoriser et aller vers le futur de mon choix. Seulement, ce futur de mon choix, ce n'est pas la même réalité. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je fabrique par ma pensée. Il faut donc vérifier que ce que je fabrique par ma pensée est quelque chose de valable. Comment le faire? Eh bien, je suis dédoublé par quelqu'un qui, justement, profite de mes nuits pour aller voir ce futur. Parce que le futur est à la mesure de ce que de penser de l'humanité. Regardez ce que l'homme pense, c'est son futur. Si vous pensez de travers, vous fabriquez un potentiel de travers que vous pourrez utiliser. Si vous pensez des choses valables, que n'importe qui peut utiliser sans problème, alors vous pensez à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'autrui pense à vous faire. Et de ce fait, vous n'avez aucune responsabilité dans la vie des gens, dans le malheur des gens. Par contre, vous avez peut-être une responsabilité dans le bonheur des gens, si ce que vous fabriquez permet de mieux vivre. En fait, nous avons un corps qui est fait pour recevoir des informations. Il faut donc pouvoir aller chercher les informations avec un corps qu'on peut appeler un corps énergétique pour simplifier. Ce corps énergétique revient dans votre corps physique pour donner à votre corps physique les informations qu'il a été chercher ailleurs. Ce corps énergétique n'est pas un double, c'est notre corps à nous. Il est boutonné sur notre corps. Les boutons, ça s'appelle les chakras. Qu'est-ce que c'est intéressant de pouvoir parler scientifiquement des chakras, hein, et de dire que vous avez un par-dessous ou un par-dessus, comme vous voulez, boutonné sur un corps physique, et ce par-dessus s'en va au cours de la nuit chercher des informations. Et pendant ce temps-là, vient dans votre corps un autre par-dessus qui va vous faire vivre le temps de votre départ. Ce corps n'est pas vous, n'est pas maître de notre temps, et c'est la raison pour laquelle votre corps ne bouge pas. Vous êtes en atonie posturale complète, comme disent les savants qui ont toujours le gros mot pour plaire. Ce simple principe permet d'expliquer toutes les intuitions, les prémonitions, la voyance. Mais est-ce à dire que c'est du déjà fait? Non, ce n'est que du potentiel. C'est-à-dire que je peux à chaque instant créer, à partir de mes propres pensées, les conséquences de mon pensée qui deviendront pour moi des potentiels.